Africa was in the forefront of the world's adventure. The black pharaohs who built the pyramids contributed to the advancement of material civilization in our today's world and also taught the Greeks several disciplines they would otherwise not have known. The history of Africa has considerably changed since Africa became prey to foreign invaders. The sad aspect of all this is that Africans and diaspora Africans, descendants of those who built this rich heritage and civilization, are not aware of their rich heritage. In this program, we intend to underline the contribution of Africa towards civilization. And to put all this in perspective is no other than a professor of human sciences, philosopher, historian, Egyptologist, who collaborated with others under the auspices of UNESCO in the writing of the general history of Africa and the general history of science and cultures of humanity. Brothers and sisters out there, welcome Professor Theophile Obenga. Quand j'ai l'Égypte ancienne, on inclut beaucoup de choses. On inclut l'Égypte réellement au temps des pharaons, donc l'Égypte pharaonique. On inclut l'Égypte au temps des Ptolémées, donc l'Égypte ptolémaïque, jusqu'au dernier souverain, c'est Cléopâtre. Et on inclut aussi l'Égypte romaine. Tu vois, quand l'Égypte devenait une province romaine, de plus en plus, c'est le mot pharaonique qu'on emploie. On dit l'Égypte pharaonique, simplement. L'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique, la langue pharaonique, l'Égypte pharaonique, les choses de ce genre. Et puis, avec l'influence autour des États-Unis, ils ont popularisé le mot Kemet. C'est Kemet, c'est le nom de l'Égypte. Kemet, Kemet. Ils ont popularisé ça. Si bien qu'ils parlent de kémétique, au lieu de dire égyptologie, ils ont dit kémitologie, donc l'étude de l'ancienne Kemet, et des choses de ce genre. C'est le mot Kemet, kémétique, qui est très employé, et surtout les auteurs africains-américains, ils emploient beaucoup le mot Kemet. Et ça s'est répandu aussi un peu partout. On dit Kemet, qui est le vrai nom, c'est l'un des vrais noms de l'Égypte. Voyez-vous donc, mais l'égyptologie occidentale n'emploiera jamais le mot Kemet. Ils sont très rebelles au mot Kemet, alors c'est le vrai mot de l'Égypte. Il y a la connotation, ça veut dire le pays noir. On ne peut pas dire ça. Comment définir l'Égypte? Il faut définir, quand on définit la Gaule, on définit qu'est-ce que les Caraïbes, c'est quoi, il faut définir les choses. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est l'un des plus anciens royaumes dans l'histoire de l'humanité. C'est un royaume, c'est autre chose. L'Égypte antique, l'Égypte antique ou l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, c'est un ancien, l'un des anciens, il y a beaucoup d'anciens royaumes. C'est l'un des plus anciens royaumes dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est l'un des plus anciens royaumes, un royaume. Donc c'est un État. La forme de gouvernement de cet État, c'est un royaume. C'est un État. C'est une structure étatique. C'est ça l'Égypte. Point très, c'est ça en une seule phrase. C'est quoi? Voilà. Finalement, il est localisé où? Quelle est la localisation? De façon précise. Parce que je peux le localiser au Proche-Orient. C'est une localisation vague. L'Égypte est l'un des anciens. Cet enseignement, ça se fait aussi à l'université comme à l'école primaire. comme à l'école maternelle. Mais c'est localisé où ça se trouvait, où cet ancien royaume, cet État. Il se trouvait au Proche-Orient, tu vois, Near East, ou au Moyen-Orient. Tu vois bien que, se disant, j'exclus ça d'un continent. L'Égypte ancienne était localisée au nord-est du continent africain, dans la basse vallée du Nil. Dans la basse vallée du Nil, donc le Nil c'est important. Il y a le haut Nil, il faut aller chez les Gouers, etc. Donc c'est ça, c'est une région qui était localisée comme l'Érythrée, comme l'Éthiopie, c'est localisé. C'est localisé au nord-est du continent africain.